En réaction, le maire adjoint d'Uvira a dit reconnaître cette situation déplorable dans laquelle se trouvent actuellement ses administrés. Kifara Kapende estime que ces travaux nécessitent l'intervention du gouvernement central. On l'écoute. Non, non, c'est un problème que nous sommes en train de gérer. La ville, c'est une ville jeune, une nouvelle ville qui n'a pas de moyens pour faire face à ce genre de catastrophes. Et si jamais, par exemple, nous parvenons à pouvoir donner cette information, c'est pour dire tout simplement que cette situation de cette rivière nécessite à ce que réellement le gouvernement central puisse vraiment être regardant. Parce qu'il y a de cela, ça fait déjà des dégâts il y a de cela 2 ans. Voilà encore, comme on n'a pas trouvé de solution durable, ça se répète encore. Demain ou le lendemain, si on ne prévoit pas encore, et ça pourrait encore déborder davantage et créer plus de dégâts et que ça n'a pas fait que. Comme on dit que diriger, c'est prévenir.